Maintenant, il s'agit d'une femme qui n'a subi ni la dictature des colonels, ni la dictature de son pays, ni le commencement de la libération de son pays, mais l'oppression des hommes. Une cinéaste de l'Allemagne fédérale, Helma Sanders, 34 ans, 7 films derrière elle déjà. Helma Sanders. Helma Sanders, vous venez d'Allemagne. Vous avez fait un film « Sous le pavé et la plage », qui est votre 5e long-métrage et 8e film. Ce film n'est dans aucune des compétitions à Cannes. Avec ce titre, vous avez voulu donc faire un film politique. Oui, c'est une phrase qui est dérivée du mois 68 en Paris, où les étudiants ont écrit sur le pavé qu'il y a la plage là-dessous. Mais c'est un espoir qui, jusqu'à maintenant, est resté un espoir. C'est l'histoire d'un couple, et particulièrement de la femme. J'ajoute d'ailleurs que Grisha Huber, l'actrice, et Heinrich Giskes, l'acteur du film, ont écrit avec vous le scénario. Non, on n'a pas vraiment écrit. C'était toute une autre manière de faire un film. J'avais fait deux grands films avec les grands instruments techniques, avec une grande équipe, avec les scénarios très très précis. Et j'avais vraiment envie de faire maintenant un film qui est beaucoup plus proche des gens, qui est beaucoup plus vrai que tout ce qu'on peut écrire sur les gens. Plus vrai dans les rapports humains entre directeur et acteur. Je ne voulais pas les poupées, mais je voulais avoir un rapport très fort avec eux, à faire une expérience plutôt qu'un film. Et comme ça... j'ai trouvé deux amis à Berlin qui sont vraiment des gens qui ont participé au combat politique, qui ne sont pas des acteurs qui s'en foutent. Et on a écrit tout ça, comme on écrit un scénario, mais dans les questions sur nous. Et le film, alors, il raconte l'histoire d'une couple qui est amoureux et qui part après, qui se sépare après, et qui peut-être se retrouve, mais ça, c'est pas sûr. On a essayé de vraiment faire cette expérience, mais dans un film, faire l'expérience comme il avait toujours fait avec les femmes et fait comme elle avait toujours fait avec les hommes. C'est peut-être un peu sadique de jouer sur la vie comme ça. Et après, les deux acteurs étaient vraiment épuisés, comme jamais après un film. C'était pas tout à fait le film, mais c'était un mélange de vie et de film. En Allemagne, maintenant, c'est assez estimé. Les deux acteurs, ils ont reçu le plus grand prix en Allemagne pour ce qu'ils ont fait là. Ce qui est très important, c'est qu'il y a justement un contexte qu'on retrouverait dans des films dits féministes militants, comme précisément des interviews de femmes. Grisha va voir des ouvrières à la sortie des usines. Et le combat, pour moi, est ailleurs. Ce qui me touche et qui me semble très, très, très important pour les femmes dans ce film, c'est que la liberté, elle ne l'acquiert pas à deux comme elle croit. La phrase qui m'a le plus fait mal, personnellement, c'était... que lui devient de plus en plus faible et elle de plus en plus fort. Mais c'est ce qu'il pense, lui. C'est ce qu'il pense, lui, et c'est... Bon, Heinrich est tellement... tellement honnête de dire ça, mais de l'autre côté, tu sais, il y a... Je trouve que tous les hommes que je connais maintenant se sentent faibles à côté des femmes qui travaillent. Lui, il se trouve faible à côté d'elle, comme beaucoup des intellectuels que je connais maintenant qui disent non, je veux plus une femme comme ça, parce que je veux une femme toute naïve, parce que je me trouve trop faible à côté d'elle. Alors ça je trouve, c'est pas seulement le cas pour Heinrich et Grisha, mais pour beaucoup plus de gens. Je trouve que la vraie démarche politique, on peut dire ça, c'est pas dans le cinéma, mais c'est dans les rues, c'est dans les usines, c'est dans les cuisines, c'est dans les lits. Mais dans les cinémas, c'est là où on peut prendre conscience de ce qui se passe. Et de cette prise de conscience, on peut commencer de changer
ce qu'il sait dans les rues, dans les cuisines, dans les lits, dans les usines. Pourquoi ce film et pourquoi vous, Helma Sanders? On ne vous connaît pas en France et je trouve ça scandaleux. C'est pourquoi ce film n'est pas à Cannes, dans la quinzaine des réalisateurs, et je suis scandalisée. Bon, je crois que pour ce qui concerne la quinzaine des réalisateurs, bon, Delon n'aime pas les films comme ça. C'est de la malchance peut-être. Peut-être c'est aussi un développement qui commence, qui est commencé et qui continue. Maintenant, ça commence que, par exemple, les deux plus grands critiques en Allemagne estiment beaucoup ce film, le soutiennent beaucoup, 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 vraiment. Mais c'est la première fois, après, c'est le cinquième, et c'est la première fois que je trouve vraiment qu'il me soutienne et qu'il commence à se dire, bon, c'est pas une petite femme qui fait des films, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment du cinéma. Moi, je crois que la lutte des femmes, c'est vraiment une chose qui change toute la société. C'est pas seulement la lutte des femmes, mais c'est aussi la lutte dans les usines. Ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment pour les sociétés, c'est une menace, non? C'est une menace pour les hommes, qu'ils sont là, les femmes, avec leur fantaisie, que ça commence, qu'il y a une nouvelle fantaisie, une nouvelle manière de faire des films. J'avais un chef caméraman qui était beaucoup d'accord avec moi, qui travaillait vraiment avec moi, aussi son assistante, Nicole Casquet. Elle travaillait avec moi et pas contre moi, pas comme ma poupée, mais vraiment, on travaillait ensemble. Le résultat n'est pas triste. Le résultat, c'était vraiment la chose pour laquelle on voulait faire cette coopérative, qui n'était pas une coopérative de vivre ensemble, coucher ensemble, mais de travailler ensemble dans ses propres âmes, dans ses propres idées, dans ce qu'on voulait. Bon. En tout cas, je suis sûre, Helma, enfin, ça sera ma conclusion, je suis sûre que ce film est celui que nous allons montrer et qui va ouvrir enfin le débat, la discussion, parce que toutes les interrogations sur l'enfant, l'avortement, le couple, le sexe sont dans le film. Alors, je rappelle le titre, « Sous le pavé et la plage » de Helma Sanders, Grisha Huber et Heinrich Giskes.